Homonyme TV, en collaboration avec www.papaweba.fr. Bonsoir. Voilà, tu es au Kutanayo, parfois il y a des voix à Papa Wemba, tu es au Sangwana, écoute à Kyo, Ndengene. Ben, Tongo. Bon, mais moi je savais que via Zaki Kobela, c'est mon vieux, par le biais de mon oncle Jacques Moulele, moi je suis le neveu de Moulele, Ngaï Kombo Giesou. J'avais de très bons rapports avec Koumani, Jules. Avec qui n'a déjà qui n'habite à l'hôpital, à Ipsingaï que à Kou Zongakin, à Ipsie moi Toli à Baleki, à Ipsie bon, mais prends soin de toi, le bilan, il n'y a pas de souci, neveu. Neveu toujours par le biais de Jacques Moulele. Bon, maintenant à Kéi, à Mongaï, à Ipsaki à Pema, mais à Kéba conserve, bon, ça c'est une autre histoire. Mais une chose est vraie, Liwan est marqué Afrique Mobimba, à Zaï Kon Monene. Donc, on est tous tristes. Mais quels souvenirs tu gardes de Papa Wemba? Trop de souvenirs. Trop de souvenirs, d'où même il y a la confusion de souvenirs. Parce que ma souvenir est belé. Bon, ça dépend des relations. Namoutou, 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 ango. Donc, il y a une relation avec Soupe Naïe. Mais maintenant, ma souvenir est belé Naïe. La dernière en date, toi qui n'as pas la somme qui est mon langue à champagne, tu vois, donc ça c'est un peu des, parmi d'autres temps de souvenirs, quoi. Puis voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Voilà. Le répertoire Zemonino et Marqueo, où est-ce que la souvenir qu'on a eu? Oui, mais c'est toujours la même question. Jules a eu beaucoup de chansons qui nous ont marqué. Bon, mais quand il a chanté Maman, nous qui n'avons pas de maman aussi, on se sent concernés. Donc en ce moment-là, on espère que c'était la chanson qui a marqué plus le monde que d'autres chansons. Mais alors qu'il y a d'autres chansons aussi qui ont marqué beaucoup de gens. Mais quand on chante une maman qui est décédée, quand tu as une maman qui est aussi décédée, tu te sens concerné. Donc voilà. Petit message à la famille biologique qui nous suit en Sénégal. Mais la famille doit être seulement réunie. Il n'y a pas à chercher à se disperser, de créer des conflits pour rien. Il est mort, il est mort. Et puis voilà, c'est la famille, les enfants. Je leur conseille d'être soudés et de voir la vie autrement et puis aller de l'avant, c'est tout. Merci beaucoup. De rien, merci. En fait, tu apprends en anglais à Tongo. Tango, en plus, toi qui donnes la fête, tu continues à 5h30, 6h, on a l'habitude de suivre toujours l'information. Et la moindre langue, c'est qu'en fait, la France 24, image flash, urgence, voilà. Donc ça m'a choqué un peu, j'étais un peu surpris, bousculé. On ne pouvait pas imaginer que Papa Wemba Koufara, vraiment il pétait la forme sur scène et puis tout. Avec un erreur avoué, mais bon, ça, franchement, il y a un choc, mon quoi, pour la vraiment communauté africaine et puis surtout communauté congolaise. Quoi, hein, Congo, Ngana Congo, enfin, deux Congo, toi, vraiment choqué. Et puis même temps, le long de la journée, on a l'information dans les médias, chaîne de Côte d'Ivoire, tout ça là, Bazo parlait quand Papa Wemba, Bamide, Bazo le Belango. Donc, mais il s'est quand même choc, quoi. Choc, mais bon, vraiment. Il y a l'Inzé là-bas de tout, hein. Et puis bon. Et il aura bien, c'est la coupe de la scène. Mais quel bon souvenir il y a Papa Wemba au Tigana? Non, Papa Wemba, il connaît la musique, hein. Il connaît mon aîné, a encadré ma jeune mini. C'est quelqu'un de très simple. Nako Ningto Vandiawa, côté aux autres interviewing Ayo. Veut beaucoup la vanne d'appel Nabissoa. En tout cas, d'une simplicité, mais vraiment remarquable. Motabo est trop sous mi-balette à niveau Afrique. Très simple. Par rapport à niveau Naye. Quelle chanson est marquée dans le répertoire Mobimba Papa Wemba?
papa mba sali musique makasi en fait ngai surtout ba composition en fait ba sorti à sala na vive la musique internationale ah ayimba ayimba musique quoi ba analengo ba ofunta ku ba mi à mort ba nzema ya trop c'est à dire que nyoso a sali ya bien même l'album na suka o ya misio met d'école sur qui vraiment qualité à travail à sali ya vraiment makasi quoi. En tout cas, ça répertoire et toi, Gitoko. Ok, un dernier message à la famille biologique. La famille biologique, enfin, la base de la Makassi, ce qui est très regrettable, surtout pour la famille supportée Sokango, surtout on va prendre une nouvelle. Bon, mais après, il y a l'indélé à Moutotou, Bazara Makasi, il y a Sokan Nzambe. Mais ce que constat, il y a Nango, c'est-à-dire que le vieux dans ce Bazara Musique, c'est-à-dire que tu es quoi, Kofi Olomide, vieux Nyokalongo, tout ça là. Bazali, chef à mouvement. Mais bah essayer que encadrer un peu moins les jeunes au Bazana Bango pour avoir le premier secours. Parce que tout le monde, l'image est vieux n'est pas dans la scène, il y a ma maçonne. C'est-à-dire que est-ce que sur base ma premier soin est bien, ma réanimation est bien, tout ça, est-ce que Banga va sauver la vieux? Parce que mon taco, il y a quand même un malaise à voir, pour vous voyez, pour vous n'angolais, pour vous n'angolais, tout ça, vous voyez. Il y a un mot temps aussi de accélérer, moi, le départ à vieux. Mais sauf que tous à la maille, tous à la net, le mouvement là, bas vraiment bas jeune puis bas jeune n'angoumut bas aline bas vieux bas obèse bas cancer bas tout le temps bas vraiment bas premier soin secours hein, parce que le premier soin secours est important mon temps à quoi est rabbin Hassan bas cancer clé bouté bas c'est comme pépé bas malmené que tout ça là dit comment go et quoi dit ça et c'est ça la maradien na défunt éminé attends quoi est na ka je crois na kin na biloko ya na stade l'odeur a glissé tout ça, mais en même temps, quand il y a un senti, il y a un vieux, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, il faut pas que tout le monde soit bien. Moi, le premier soin, tout ça, moi, la réanimation, Nernine, la retière, motoposition, tout ça, voilà. C'est ça qui nous manque vraiment, au niveau en boca, vraiment, ça, ma casse. Bah ben quoi prendre bah frère ma mission basée dans mouvement moi bah premier soin bah premier secours là c'est très important et que sauver ma vie ming. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Pour moi en tant que papa je crois que c'est un grand monument qui vient de nous quitter. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre lui et moi. 66 ans c'est aussi mon âge à moi. Pour moi c'est un monument. Vous savez, nous sommes des Africains. Là où les parents pleurent, il faut s'associer, il faut y aller, écouter, les assister. C'est un grand monument. Qu'on le veuille ou non, il y a eu une grande musique chez nous quand nous grandissions. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, cette dynamique-là continue. Mais la dynamique d'autrefois, il n'y a pas de comparaison. Papa Wemba a chanté, Luambo a chanté, Rochero a chanté. Voyez-vous, ce sont là les grands ténors de notre musique africaine qui est en train de disparaître. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On le pleure, on l'accepte, c'est la loi de la nature. Le bon Dieu a su. Il n'y a que lui qui a su à quel moment il devrait nous quitter. Voyez-vous, c'est quelqu'un sûrement qui disait Nako Koufa Namosala Nangaï. A Koufupe Namosala Naye. Voyez-vous, non? C'est un grand totem. Papa, ce qui m'a dit, Nana Lingi Mosala, Nana géologue de Nako Kipe Koufa Nase Amabele. Mais ye a kikoloba kenga na kukufa na mosala nangai parce que aye koli mosala wana akufi pe kaka na mosala wana soto lo tozo loba tozo senga na nzambe ayamba ye malamu andi maye pe malamu ata apeshaka alimbi sa ye ngana silti kaka wana. Vu ton âge, je sais que tu gardes beaucoup de souvenirs de Papa Wemba, mais si tu peux nous relater ne fût-ce que souvenir manquant vraiment de tout ce que tu as connu de Papa Wemba. Ngana akikokende na Kinshasa mwana moke. Ngana natif ya Congo Brazzaville.
naki na bandeko bazombo ba tetela nako kene na Kinshasa mwana moke mende konangai akiko yambanga na Kinshasa akiko memanga na ba concert na yeba ba luta bembo na yeba ba rochero na yeba ba franco mais papa Wemba alaki monument menzembo kaka un moko oya yimbela pona mama na ye anniversaire ya mama na ye nzembo wana na kokoka na kokokate ko boss ngo mama soko ozalaka awa kasi ton vote yo ton nomé yo ministre ya éducation bana na biso pe il faut bayoka ka nzembo wana soki bayoka ka lingala te mais il faut to lobaka na bana bomoni alaki peut-être mayele ma kasite monenete mais ayembili mama na ye ministre ya éducation soki bokoko te abiso nzembo wana mama tokolela awa tokosepela awa tokobeta la ye ba bravo mais eloka liboso mawa mingi liwa nyoso esepelisaka moto te surtout moto yo yebi tomona kango tokanisaka eyela kaka baninga mosusu eyeba bato mosusu mais lelo eyeli biso ngai banda na bandi kokola musiki nakoyoka mingi ya ye azaki ya na ngai nalingaki moto wana ndenge balobaka ke na la vie eya na bato bakomaka bafanatike nga nakomaki fanatike na ye nakomaki fanatique na ye lelo na tongo ezalaki soki ba 8h nayoka na ba radio ke yaya ake oyebi ke depuis 8h na utaki fete na koti na 6h tokendaki mariage andeko nanga gaz mais pongi ekatani depuis l'heure wana moto wana azalaki exceptionnel aki na bondeko na bolingo na nyonso bo bako fréquenter nyonso bako loba kaka liloba moko pona moto wana azaki boboto makasi mais tout ça la boni lelo atiki biso ake mais tokokunda yende malamu tokotika yebo ete moto wana ana ba souvenir makasi pona biso papa Wemba azali kulutu ya bakulutu oui, bi le lon à 6h du matin, à 7h du matin, na yuki RFI non singal bi o yak masanga na mena ku bien ezali wa solo on anzimi ngote na koti susu na ti BFM TV tango laksi tango e lobingango ngai na tadi susu na se poser beaucoup de questions mais ça ngote ma passe et vraiment na ki très mal à l'aise mais bon ya liwa ya kraya batutu na kokite ngwa na bimi lolo na lebna vanda mo banda na mera ma moko na kota parce que et ça nga vraiment monter ma passe koto monanga azali kuluta bakoloto nzembo nini oyo et marka oyo vraiment etika la etika kotika la souvenir pour na yo oui j'espère na yuki susu nzembo ya ye ya o emba ki kuru tangazo sala sera j'en pas petite nga ya nini la vie est belle na muni susu ngona yuki susu ngomba mbale et ça m'a été ma passe mais na sipeli à kena bonheur à kufi na scène à kena bonheur nana ma kominga ko lobeza te mais à tata il va kuluto ba kuluto hein apema nzambe moka yebi moi to lo ba mingi zate na suki se wana OK merci de renouvelle tous ce matin on est attristé bon ce qu'on peut dire c'est-à-dire que de bons souvenirs. Bon, Nzambe a bengué, bon, que voulez-vous? Mais j'ai gardé beaucoup de choses de sa génération, surtout la chanson des 10 commandements. Ça m'a marqué avec beaucoup de souvenirs. For Idol, je ne peux pas citer toutes les chansons, mais vraiment, il est mort pour son métier. Il est mort dans son métier, il est mort au combat comme on dit. Et Nzambe a accueilli bien et famille Naye Pays-Bas a vraiment uni.
pour que tout se passe bien. Et puis vraiment mes condoléances à toute la famille, c'est tout ce que je peux dire. Bonsoir docteur Charles Mokota. Bonsoir. Voilà, tu peux nous parler un petit peu de Papa Wemba Senlo, toi qui étais Papa Wemba? Ben, déjà la première chose que j'aimerais dire, c'est que on est devant une situation qui nous laisse sans voix. S'il y a une situation qui fait qu'à un certain moment, les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur, c'est la question de la mort. Et donc, on est attristé, on est atterré, parce que humainement, on ne peut pas accepter cela. Mais, comme on dit dans la Bible, les voies du Seigneur sont insondables. Hein, c'est lui qui a un agenda, et dans son agenda, il avait été prévu que Papa Wemba devait nous quitter. Et c'est très symbolique, hein. Il nous a quittés sur la scène, en train de chanter, et il est tombé, et le Seigneur le savait. Pour nous, c'est très très difficile. Donc, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. La première chose, c'est d'honorer son nom. C'est d'honorer son nom. Deuxième chose que je voudrais ajouter, on l'appelait Papa Wemba, c'est pas pour rien. Hein, papa, c'est celui qui donne des repères. Papa, c'est celui qui permet justement aux enfants d'avoir une éducation digne. L'éducation permettant à ce que le sujet, l'homme, puisse être une personne sur terre. Et donc, on ne peut que l'honorer par rapport à ça. Le problème, c'est nous. Hein? C'est nous qui sommes restés parce que Papa Wemba est parti. Et on sait que le Seigneur va le recevoir dans son royaume. C'est surtout nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous gardons de Papa Wemba? Ben, c'est son humilité. Nous gardons son humilité, nous gardons sa franchise, nous gardons sa façon d'être avec les autres. C'est à nous de pouvoir faire bon usage de l'héritage qu'il nous laisse. Hein, faire bon usage de cet héritage-là, aimer les autres. Et que ce que je voulais, justement, je terminerai là-dessus, c'est que la mort de Papa Wemba ne soit pas un prétexte pour régler des comptes. Parce que souvent, nous en Afrique, généralement, lorsqu'il y a un décès, ça devient justement le moment de régler des comptes. Je pense que l'honneur qu'on doit lui donner, qu'on doit lui réserver, c'est de faire de cette mort quelque chose de noble. Hein, de lui rendre un hommage à l'expression de ce qu'il était. Hein, qu'il n'y ait pas des conflits, qu'il n'y ait pas, qu'on honore justement son âme. Et voilà, je ne peux que souhaiter les condoléances à toute la famille, c'est pas évident, et la famille des musiciens, à tous les Congolais et à tout le monde entier, hein, parce que Papa Wemba transcendait le périmètre de la RDC. Papa Wemba avait une renommée internationale qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Tout le monde le sait et je pense que c'est un monument, il restera un monument. Love. Tous les jours, kaka maloba ya love. Kasi lelo, yoka phrase ango.